tôt, c'est vraiment tôt. On est aux écuries. Je charge le vent, mais il fait encore bien bien nuit. Et Rachaton, t'es où? Il y en a un qui fait son petit dodo. Et mon Hera qui arrive. Oh là là, je te réveille, mon amour. Allez. Le chaton a mis ses protèques et on va bientôt charger. Le vent est attelé. Qu'est-ce que tu fais, le chat, là? Hop. Bon voyage, mon cœur. T'es sage, hein? On est en route, je vois des fesses de poney. Les plus belles fesses du monde, bien sûr. Mais oui. Ah, ça, c'est moi. Coucou, Hera chaton. Ça va, mon petit cœur? T'es sage? Oui, mon cœur, va faire pipi. Oui, ah, allez les boulets. Petit café, petit café. On peut repartir. Oh, je te tète. Allez. En route, mauvaise truc. Ils nous montrent un autre gueule avant de exploser. Il y a une petite trace de la queue. Il est dégueu. Bah, je suis derrière lui. Bah, ouais, mais moi, je douche liquider là. Tu es à ton avantage, Romane. Mais je sais pas comment on fait. Allez, c'est parti, on va à gros bois. Les touristes de Val d'Or vont à Paris. Non mais faut préciser qu'il faut rester sur le cheval. Imagine tu te le répètes ce doigt. Bon bah on a sautillé rapidement juste pour se mettre bien pour demain, mettre un peu en confiance parce que j'avoue que l'arco m'a un peu stressée. Mais voilà, c'était une très très bonne séance, ça m'a fait beaucoup de bien, Hera a été top top top. Donc maintenant on marche en forêt. Ah oui, donc moi non plus, c'est différent. Ouais, c'est différent, mais c'est les deux styles de chevaux que j'aime bien. La Connemara, c'est plus cher, mais c'est plus rustique. Le dernier tour d'eau avant d'aller au lit. On est clairement dans une écurie très très classe. Et moi, je suis là comme une pouilleuse avec mon seau, mes tongs. Bon, j'avoue, là, ça fait un peu genre les tuches vont à Paris. Mais c'est sympa, hein, c'est sympa. J'en connais un autre qui a pas l'air du tout ému par le feu d'artifice. Réveille. J'ai eu trop froid, vraiment. Bon, et sinon, vous saviez qu'un cheval ça ronflait. Hera, il ronfle trop trop fort. Genre, j'ai entendu ronfler, j'ai dit mais c'est bizarre. Du coup, je suis sortie de la tente. Il y avait mon cheval allongé qui ronflait tout ce qu'il pouvait. Ok. C'est quoi ce gros nez? Hé, chaton!
petite virée à la plage. Non, non, je déconne. Petite virée pour ramasser les crottins. Bon, ça fait vraiment comme Plouc ici, c'est très très drôle. Je veux bien le chocolat. Merci. Oui, trop mignon. Donc justement, les Parisiens, ils sont riches. Et bien, ils sont derrière les copains. Faites coucou les copains. On a chargé. Et on va en direction du concours. Olé. Olé. Venez au championnat de France. Qui est l'Olympique de Lyon, l'anniversaire de l'Olympique de Lyon de prendre le départ avec le rental du coup. Et le centre de caisse, le tiral, le mélange de Normandie. Alors ce n'était pas un rouge. Bon, il est 15h, on va essayer de manger un peu, mais j'avoue le stress monte. Napo est au frais, chaton mange du foin, tout va bien pour nous. Dans une heure, on est à cheval. Allez! Oui! Niqué! Oui, ah oh, mais elle est incroyable. Allez, 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 on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Bon, on va y aller. Allez, accroche. C'est pas grave. Allez. Oh, on l'encourage à tout faire. On retourne. Oh, tu manges des caca. Et Napo laisse. On retourne au vent. Bon, alors là j'ai décédé Hera, mais ça fait 20 minutes. Je suis allongée dans l'herbe, tour avec mon protège-dents. Je suis trop fatiguée. Et bah, il y a la route à faire. Enfin, ça va être un peu chaud patate. Sinon, côté résultat, Eve finit 3ème, c'est trop cool. Bon, on va rester tard pour la remise des prix, mais c'est un podium et une médaille de bronze, donc c'est trop trop cool. Pour Hera et moi, ça a été plus compliqué, vous l'avez vu sur la vidéo, j'en ai chié sérieusement. Fallait que j'en dise pour deux, il avait vraiment 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 besoin d'être rassuré. Il m'a épuisé, juste épuisé. Et bah, au final on est éliminé. Voilà, je me suis battue, je fais ce que je pouvais et voilà, c'est quand même une bonne expérience, il faut qu'il continue à prendre de l'expérience quand même et puis surtout c'est un gentil cheval, donc ça c'est plutôt, plutôt cool. Allez, le poney est chargé, il a bu, on a bien arrosé et du coup, bah, let's go hein. Coucou mon bébé. T'as fini le foin hein. Vous voulez voir ce que c'est qu'être une grosse pouilleuse? Bah les autres ils s'arrêtent au McDo, mais moi je ne mange pas McDo. Et du coup, eh ben, je ne suis en train de me faire chauffer de l'eau, mais genre au bord de la route, pour pouvoir manger. Regardez le haras de Val d'Or qui rentre. Les clos, on pourrait manger là hein. Non, non. Non, mais genre, la 3ème de France, elle mange un McDo sur le trottoir. Sous le soleil des tropiques, l'amour se raconte en musique. Là, toute la vie pour s'aimer.
gars, il est quasiment 2h du matin. On est arrivé, enfin. On est au bout de notre vie. Il est 2h du mat. Horrible. Ah, il y a des moustiques ici aussi, c'est une blague. On peut descendre le pont ou pas? Ouais. Comment va mon poney? Oh, et Ryder. Oh bébé, oh mon bichon. On va au pré, mon cœur. Ira chaton a retrouvé ses copains. Et Uria, je te ramène ton frère. Oui, je sais, les 3h du matin. Oh, c'est trop dur la vie. Et je vais chercher ton frère.